Virginia Giuffre, 38 ans, est prête à tout pour détruire le prince Andrew selon les dernières révélations du Daily Mail. Virginia Giuffre accuse le fils cadet de la reine Elisabeth II de l'avoir agressée sexuellement à 3 reprises dans les années 2000. Elle n'avait que 17 ans à l'époque. Elle a déposé une plainte au civil contre le duc d'York devant le tribunal de New York l'été 2021. Elle avait déjà évoqué cette affaire d'exploitation sexuelle perpétrée par le couple d'amis Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell lors d'une interview accordée au Daily Mail en 2011. Voici rappel que l'accusatrice du prince Andrew exerçait un job d'été à la résidence Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump en Floride. Elle y prodiguait des massages et aurait été abusée sexuellement, précise Voici. Le 12 janvier dernier, le juge Kaplan du tribunal de New York a refusé le recours des avocats du prince Andrew, 61 ans. Ces derniers ont demandé l'annulation de la plainte de Virginia Giuffre, ce que le tribunal a refusé. Pas plus tard que le 13 janvier, le prince Andrew, 61 ans, a été dépouillé de la grande majorité de ses titres militaires. Le palais de Buckingham a déclaré que le fils préféré de la reine a également perdu ses titres de patronage. Avec l'accord et l'approbation de la reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine, explique le communiqué. Le duc d'York continuera à ne pas assumer de fonctions publiques et se défend dans cette affaire comme citoyen privé, précise le communiqué. Virginia Giuffre veut que le prince Andrew n'ait plus rien. Une source a déclaré au Daily Mail que Virginia Giuffre est prête à faire payer le prince Andrew pour ce qu'elle a enduré à cause de lui. Elle a l'intention de ruiner la vie du prince Andrew, car il fait preuve d'arrogance, a déclaré la source. Le fils de la reine Elisabeth II d'Angleterre n'a presque rien actuellement. Il a presque tout perdu. Ce qui importe désormais, si est-il ce qu'il a à offrir et comment nous pouvons lui prendre tout ce qu'il a conclu la même source au Daily Mail. Loading widget.